Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de One Piece Kaizoku Musō 2. Après les journaux de bord de Brook et Chopper, on repart pour les épisodes principaux. Et aujourd'hui nous allons rejoindre nous allons rejoindre l'alliance des pirates les plus forts, alias Barbe Blanche. Maintenant, comment s'associer, ça va se passer. Et à chaque fois, les personnages recommandaient son ami et Smoker. Donc franchement, si je les écoutais, j'avancerais pas. Et j'ai dit que je prenais que Luffy parce que quand on prend Luffy, il y a des trucs qui se débloquent. Alors, peut-être qu'après, ça dépend du personnage à chaque fois. Mais je... この世界の勢力バランスを支えるほどの大勢力を誇っていた。仲間二人を取り戻したルフィは、義兄エースの勧めに従い、白ひげエドワード・ニューゲートとの初対面を果たすが。Pour la première fois. Donc Marineford ne s'est jamais passé. Attention. Donc si Akainu, on voit qu'Akainu dit à un moment à la guerre, tu t'es échappé, entre ça, ça veut dire que ce n'est pas possible. Et qu'il y a un problème. Donc en gros, c'est comme si Ace n'avait jamais été capturé par Barbe Noire, et que la guerre n'avait pas eu lieu. Mais que l'équipage avait quand même été séparé pour s'entraîner. Voilà. おっさん、シャンクス知ってんのか？これ預かってんだ、シャンクスから。あれがエースの弟か。堂々としたもんだよい。おめえ、海賊王になりてえらしいな。そうだ。俺知ってんだぞ。お前も海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。クソ生意気な小僧だ。海賊王になるってことはおめえこの白ひげをもしのぐってことだぜ。当たり前だろ。お前になんか負けねえ。かなったれが言いやがる。どうだ、ここでおめえらの力を試してやろうか。試す？それとも威勢の良さは口だけかよ。うるせえ。試してえなら望むところだ。待ってろ、ぶっ飛ばしてやるからな。親父、どういうつもりだよい。小僧どもがどの程度のもんか見てえだけだよ。Il va nous faire affronter Marco S tout ça. On va pas l'affronter lui-même, je crois.Ah si. Première instruction, aider Smoker. Alors les pièces, j'ai les bonnes. Bon, on va garder Chopper, on va le faire dans l'ordre, vu que Brook est à la fin. On le laisse là. Alors, choix des techniques, je vais changer, je vais bloquer une nouvelle. Un meilleur truc, charge rapide, voilà. Sans qu'aucun partenaire ne fuit, fait ouvrir les portes de la base ennemie. D'accord. Bon, après j'imagine que je vais prendre mon temps, donc j'aurai pas la pièce du tout. Enfin, c'est comme ça à chaque fois, donc... Hmm.
する。味方は総大将が突出。前線は伸びきっとる。対して白ひげの親父さん側は余裕だな。トム、白ひげの親父さんさえ倒せればわしらの勝ちだ。Et là, ça fait une cinématique qui normalement ça aurait pas fait, j'imagine. Ouais, si on n'aurait pas pris Luffy, ça aurait pas fait de cinématique. いきなりキング取れねえだろうよい。こやつは下がってる。こいつらの相手は俺たちで十分だよい。Oh putain, je trouve. Mon truc était presque à fond. Et là voilà, putain. Quand ça fait un genre de truc comme ça, ça laisse se diminuer quand même le truc de R1. C'est chiant. Là, j'aime bien détruire notre base.頑張るんだ。
Non, je vais pas le prendre maintenant. Eh merde, putain. J'ai appuyé sur rond pourtant. Ça prouve qu'il ne sous-estime pas déjà. C'est déjà flatteur. まったじゃないの。なんとか巻き返せねえのか。お前ら、親父に喧嘩売るほどの腕前があるのかい。やっぱ。 Qui donne Vista? Une pièce. Alors faut que je fasse attention à Franky avant qu'il batte en retraite en se combattant contre Ace. En même temps, il a l'air de bien se débrouiller seul pour le moment. Pas un coffre, voilà. D'ailleurs, historique. Le trésor, il est où? Là-haut. Ok. Au moins ils ont des dialogues. C'est sympa. Allez, allons combattre Chris.
Et avant, on va aller récupérer le coffre. Quoique non, on va pas aller récupérer le coffre parce que je vais repasser devant de toute manière. Ils vont lancer une offensive globale. Bien sûr, j'imagine qu'ils sont pas sérieux, qu'ils font juste ça pour nous tester. Mais... bon, c'était peut-être pas la peine de retenir ça. Je pensais qu'il y avait plus de monde derrière moi. Hop, on va aller chercher le coffre avant d'oublier. Qui est ici? Oh, rien qui vaille la peine d'un éléphant togatri. Voilà. Donc là, il va y avoir un coffre qui va apparaître vu qu'ils ont ouvert leur base. Ouais, il est apparu au centre. D'accord. Coffre. Et puis bah battre Joe's par la même occasion hein, tant qu'on y est. Tant pis si j'ai pas un S sur le temps. Ce qui est sûr c'est que j'aurai sur le nombre d'ennemis vaincus et le nombre de PV perdu. Ah
Hop, une pièce en plus. Ah non. Mais c'est pas mal quand même. Ça tombe bien. Je pourrais capturer le terrain en haut pour avoir plus de KO, plus de points d'exclamation, tout ça. Mais après, ça, je peux le faire en off. Chopper et Brooke seront montés à fond. Et si on obtient d'autres personnages ici aussi, ce sera monté. Un truc qui est pas logique, Luffy débloque le Red Hawk à cause de la mort de Ace, parce que c'est la volonté de Ace qui s'incruste en Luffy. Ace n'est pas mort. Enfin bon, on peut dire que c'est grâce à son fluide aussi, hein. C'est grâce au fluide qu'il peut contrôler les éléments généralement, la foudre, tout ça. Du coup, ça peut être son fluide qui se développe avec le feu. Après tout, il fait aussi l'électricité en utilisant le Snake... le Snake Shock. Yare. Luffy doit être beaucoup plus impressionnant 2 ans plus tard qu'auparavant. Donc déjà qu'il avait impressionné Barbe Blanche avec sa volonté auparavant, maintenant qu'il a la puissance aussi, pas la puissance de lutter contre un Yonko, hein, mais une bonne puissance équivalente à, j'imagine, Ace ou un truc du genre. Voilà quoi. Parce que généralement, entre les Yonko et leur premier commandant, genre Marco, il y a une énorme différence de puissance. Hein. Le Yonko peut one-shot son premier commandant, s'il veut. Donc je pense que Luffy est... peut-être pas du niveau de Marco, mais au moins du niveau de Ace. ただ条件がある。なんだ。いいか、よく聞け小僧。おめえらが持ってるダイヤルのことだ。そのダイヤルにどんな力があんのか知らねえが、相当やばいもんだってことはおめえらも気づいてるな。 おそらく政府と海軍はダイヤルを回収するためにこの先も総力を挙げておめえらを襲ってくるぜ。これは分かってるよ。加えて大海賊同盟がある。名手の赤っ鼻取るに足らねえ野郎だが、傘下に結構な癖者どもを加えてすでに侮れねえ勢力に成長してやがる。 おめえがいくら強かろうが海軍と海賊の猛者どもをまとめて相手にすりゃ勝ち目はねえ。そんなのお前が決めんな。戦ってみなきゃ分かねえだろ。戦力の規模が違いすぎるってんだよ。そこでだ、俺たちと連合しねえか。連合、ちょっと待った、ルフィ、ちょっと来なさい。 Non mais il va lui dire, il faut surtout pas refuser ça.
最近白ひげ海賊団は大海賊同盟に押され気味なんでしょ。連合とか言いながら私たちを傘下に入れて。あの、c'est l'autre côté。そうなのか。だが白ひげが味方になるメリットはでけえだろう。あいつらの縄張りも自由に後悔できるぜ。Après tout, c'est juste une alliance. C'est pas une soumission. それもそうね。いいわ。連合の話を受けましょう。ただし、あくまでも対等な連合よ。いいわね、ルフィ。よし、わかった。おい、小僧ども。相談は済んだかよ。おう、連合の話は受けてやる。麦わら白ひげ連合だ。そこおめえ、白ひげ麦わら連合だろ。どっちでも構わねえよ。じゃあ、で、おめえらの仲間探しの件だが、俺んとこにも確かな情報は入ってねえ。Ouais, c'est grâce à eux qu'on va pouvoir obtenir des renseignements sur là où ils se trouvent, en fait. Nanda, Osan, tu ne sais pas? Daga, Dayar no shotai o tadotte kya, izure omeira no nakama ni yukitsuku kamoshirenei ze. Mazu wa Punk Hazard ni mou ichido itte miru koto da na. Sono kan ni ore no hou demo jōhou wa atsume toite yaru. Daga, oyaji, asoko wa kanari abunei yoi.ああ、今のおめえらじゃ戦力が足りねえな。マルコ、おめえ一軍を割いて小僧どもを助けてやれ。親父が言うんなら分かったよい。よろしくな。エースはどうすんだ。俺は今別件でティーチってやつを追ってんだ。悪いがここでお別れだな。Il est toujours à sa poursuite là。そうか、頑張れよ。目的地も決まったし、出発だ。Ouais, donc c'est ça en fait. Il est toujours à sa poursuite, il l'a pas trouvé. C'est grâce à ça que ça se passe sans encombre pour le moment. Ils sont pas morts deux ans plus tard, quoi.Icône technique peut apparaître. Hein, c'est que ça renforce plus la technique attaque. Du coup. Ah oui. Cueillette technique du début. On lui fait, on laisse parfois trouver des objets de soins, mais...Affiché aux ennemis d'une fois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là. Et là, je vais avoir deux bingos. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bon, ça. Le stylé. Je vais peut-être même pouvoir faire.Le défi que je veux faire avec ça. Avec un peu de chance. L'épisode de partenaire de Marco. Et ben, il y aura le livre de bord de Marco. Enfin, le journal de bord de Marco entre temps. Donc, sur ce, je vous dis à tous, ciao, à plus, et je vous donne rendez-vous soit demain, soit dans deux jours, pour le début du chapitre 2, a priori.Et je crois qu'il y a 3 chapitres, plus un chapitre final. Ou 120, je sais plus. Mais en tout cas, on n'en a pas fini. Et j'imagine qu'il m'a été passé un peu sur la sortie de One Piece Pirate Warrior 4. Ce qui fait que ce jeu passera en gameplay au pif, sûrement. Ou alors One Piece, je le garderai en tous les 4 jours celui-là. Et One Piece Pirate Warrior 4 sortira tous les jours. Comme Pokémon bouclier...Comme je faisais pour Pokémon bouclier sur la chaîne. Je pense que je vais faire ça.
ce sera beaucoup mieux, parce que je sens que je vais le fumer, Pirate Warrior 4, donc j'aurai pas la patience d'attendre de jouer tous les 4 jours, quoi. Ce sera tous les jours. Allez, salut à tous et rendez-vous soit demain, soit dans 2 jours pour le journal de bord de Marco. Ouais, c'est ça, journal de bord de Marco, et c'est tout, y'a que lui. Allez hop.